Une personnalité multiple. Non, pour moi, ça reviendrait à dire que je suis possédée des troubles dissociatifs. Oui, je préfère ça. Et un peu comme si je perdais contact avec moi-même ou avec le monde. Il y a des jours où j'ouvre la porte de la chambre et une fois entrée, je me retrouve complètement ailleurs. Et il a pu s'écouler des heures, voire toute une journée ou une nuit. J'ignore totalement ce que j'ai pu faire. C'est comme ma rencontre avec Sean. Ça reste vraiment très vague pour moi. De même que notre mariage. Pourtant, tout le monde dit que je rayonnais de bonheur. Par contre, je me rappelle parfaitement la naissance de Molly. C'est là que j'ai réellement pris conscience de ce qu'est l'amour. Et plus tard, quand Rosie est née, c'est là que j'ai vécu pleinement tout cet amour. Auprès de ma famille, j'avais enfin l'impression que rien de mal ne pourrait jamais m'arriver. C'est cette année, au mois d'août, dans le bureau de mon père, que mon univers a commencé à s'écrouler. Allô, Jim? Docteur Tremel? Oh mon Dieu! Allô? Oh non. Suzy! Suzy! Maman? Suzy, il n'arrête pas de te réclamer. Viens, mon petit. Suzy! Je suis là, papa. Papa? Oui, je suis là, papa. Jim! Oh. Jim! Oh, Jim, mon Dieu, Jim! Infirmière! Sauvez-le, je vous en prie! Écartez-vous! Il a du mal à respirer! Préparez le défibrillateur! Est-ce que je peux faire quelque chose? Dépêchez-vous! Allez, on y va! Oh mon Dieu, il va mourir! Laissez-moi travailler! Allez, gentil, partez! On y va! Allez, on y va! Pas de réaction, on recommence! On recommence! Il nous a lâchés! Oh mon Dieu! Mon Dieu, papa! Bon, encore une fois, prêt? Allez, écartez-vous! On y va! On y va! Il est très joli. Est-ce que je peux jouer avec toi? Bah oui, tu peux jouer avec nous si tu veux. Oh, c'est drôlement beau. Qu'est-ce que tu fais, maman? Eh, je veux faire comme toi. Qu'est-ce que vous fabriquez? On joue à se maquiller, oui. Ouais. Molly, Rosie, allez vite vous laver la figure et les mains. Allez, dépêchez-vous. Regarde, j'ai fait un beau dessin. À quoi tu joues? Tu devrais être prête. Il faut qu'on y soit dans un quart d'heure. Où ça? Au cimetière. Ah. Oh. Je peux pas y aller dans cet état. Tu m'étonnes.
Par devant, avec les filles. Moi, je vais me changer et je vous rejoindrai là-bas. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, celle-ci est pas mal, mais attendez, j'en ai là une très très jolie. Et nous sommes d'autant plus tristes, car le docteur Tremaine était non seulement un homme très estimé, mais c'était également un époux attentionné et un père affectueux. Il faisait partie de ces êtres rares. À notre scotch. D'entre nous souhaitent. Ginger ? C'est moi, Franck. Salut, chérie. Quoi de neuf ? Je te croyais parti avec un mec. Oh, tu sais, ça va, ça vient. Tu veux te faire du blé ? Eddie ! Ouais. On se fait une partie ? Pourquoi pas ? Je te présente Ginger. Salut, Ginger. Tu t'intéresses au billard ? Ce qui m'intéresse, c'est m'éclater. $80. Non, c'est un. Ouais. Tu m'en dois encore pas. Mais bon, on fait les bons arts. Ah ouais. Ah oui. Voilà, ça. Allez, tu t'aimes ça. Oh oui. Ouais. Ouais. Pourquoi t'es pas venu ? Non. On était tous morts d'inquiétude. On t'a attendu, j'ai appelé au moins 10 fois, mais pourquoi t'as pas répondu ? Qui êtes-vous ? Suzy, c'est pas le moment. Allez, réveille-toi. Il faut appeler ta mère, elle est au bord de l'hystérie. Oh, maman ! Chut ! On t'a attendu avant de commencer la cérémonie. Oh, j'ai mal à la tête. Tu veux une aspirine ? Elle me reste dans la gorge. Bon, je vais te donner une aspirine pour enfant, ça va ? Me laisse pas. Je suis là, chérie. Je suis là. Oui. Papa. Papa. Oui, je sais, je sais. Ça fait mal. C'était pareil quand mon père est mort. Je savais plus où j'en étais. Vous n'êtes pas possible. Tiens, j'en suis là. Oui. Voyons. Tire-moi la langue, dit son père. Plus que ça, dit ah. Ah. Tu as le nez bouché, serais-tu encore enrhumé ? J'ai une bonne soupe au chaud, dit la mère de Birdie. Est-ce que vous vous êtes brossé les dents ? Oui. Non, là tu mens. Allez, si, va te brosser les dents. Aussi. Non, c'est pas vrai. Mais voulez-vous si, aller dans la salle aussi. De bain ? Ou le croque-mitaine va venir. Suzy, tu peux me dire d'où vient tout cet argent ? Tu l'as trouvé dans mon tiroir ? Non, il était par terre. Ah, il a sûrement dû tomber. J'ai repris un job de serveuse. Où ça ? C'est juste à mi-temps. Mais alors, qui va garder les filles ? Maman, pour l'instant. Et tu trouves que c'est bien ? Tu sais très bien qu'on a besoin d'argent. Et puis, ça me paiera une partie de mes cours. Tes cours ? Mais quels cours ? Allô ?
Ginger? J'ai un autre client. Excusez-moi, quel numéro demandez-vous? Ah, je vois, t'es coincé. Il est là. Bon, bah, rappelle-moi dans ma voiture tout à l'heure. Vous vous trompez de numéro. Je ne connais pas cette personne. Quel genre de cours est-ce que tu comptes prendre? Professora, j'ai envie d'enseigner. Tu veux rigoler? Tu détestes l'école. On a besoin de plus d'argent. Il faut payer les factures et je ne veux pas en emprunter à maman. Elle a déjà assez de soucis comme ça. Écoute, je suis peut-être pas aussi digne de respect que ton cher papa Toubib, mais j'estime que tu aurais pu au moins avoir la décence de m'en parler. Où est-ce que tu vas comme ça? Coucher les filles. J'ai peur que ton héritage ne soit pas lourd, tu sais. Ton père avait plusieurs procès sur les bras pour... Faute professionnelle? Oui, mais rien de grave. C'est une pratique très courante. Je viens moi-même de l'apprendre. D'ailleurs, je ne sais pas comment l'annoncer à ta mère. Oh, peu importe ce qu'on dit à Martha, elle croit seulement que ce qu'elle a envie de croire. Si tu as besoin d'argent, elle peut peut-être te faire un prêt. Un prêt? Cet argent, je l'ai mérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comptais dessus. C'est ce que je voulais dire. Suzy? C'est mon tour. Oui. Tu parlais de l'école McWhorter. Oui, et bien quoi? Tu disais vouloir y aller. Le crédit ne coûte que $300. Et pour le test d'aptitude? Ils doivent bien exiger 1200 de moyenne. Surtout, faites attention de ne pas tomber. J'y arriverai, j'aurai la moyenne. Tu devrais peut-être éviter de placer la barre trop haut. L'école, ça n'a jamais vraiment été ton fort. Ne me dis pas que tu as oublié. Mais tu n'as jamais été très douée pour les examens, ce qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose. Mais malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Maman, j'ai envie d'enseigner. J'ai envie d'apprendre aux gens. J'ai envie de les aider. Je comprends. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais travaillé qu'il Comment faut... Comment ça, je n'ai jamais travaillé? Je te signale que je gère le restaurant depuis que tu as 11 ans. Je te jure qu'il y a des fois, t'as vraiment la cervelle comme du gruyère. Tiens. Non, tu m'as déjà assez passé d'argent, maman. Tu disais vouloir un prêt? Tout à l'heure, à table.
Tu ne te rappelles pas? Oh, si. Ce qu'il y a, c'est que... Je sais, je comprends. Moi aussi, je sais plus très bien où j'en suis. Depuis la mort de ton père, ce n'est plus... C'est plus pareil. S'il te plaît, laisse-moi t'aider un peu. Prends ce chèque. Écoute, voilà ce qu'il en est. Deux pour le prix d'un. Ça va, tu marches? J'ai besoin de fric. Je pars en voyage dans 8 jours. Et où est-ce que tu vas? Suzy? Avec mon mec et ses gosses. Réunion de famille. Suzy? Oui, mon grand. Qu'est-ce que tu veux? T'es bien Suzy Tremaine. En 3e, la classe du père Yosso. Je m'appelle Ginger. Ton père était Toubib, c'est ça? Il s'appelait Jim Tremaine. Ouais. Et alors? Alors comme ça, maintenant, tu t'appelles Ginger, hein? Mon père connaissait le tien. Je suis très heureuse de l'apprendre. Il est mort il n'y a pas longtemps, non? Ton père. Excuse-moi. Désolé, mon grand, mais tu vois là, faut vraiment que j'y aille. Oh, hé, Ginger, où tu vas? Tu vas pas me planter la côte. Je dois aller chercher mes gosses. Ah, tiens donc. Parce que maintenant, c'est tes gosses. Tu sais, j'ai pris des engagements vis-à-vis d'eux. Et, c'est des mecs pas communs. Tu veux me faire passer pour quoi, hein? Bon, allons-y, messieurs. Ginger? Mais où tu vas? Non, mais attends, reviens! Mais où tu vas, bon Dieu? Viens voir papa. S'il te plaît, papa, non! Suzy, viens ici. Ginger! Ouvre! Ouvre-moi! S'il te plaît, non! Allez, ouvre-moi cette porte! Ginger! Laisse passer la dame. La dame? Elle a plutôt l'air d'une pute. Dirait bien deux mots à celle-là. Ouais, ben grand causeur, petit faiseur. Je peux te faire tâter la mienne pour voir si c'est vrai. Ah ouais? C'est vrai? Oh, ah, désolé, mec, ça va? Ouais. Je suis juste passée pour me faire inviter à dîner. Non, dimanche dernier. Quoi, dimanche? Mais où sont les filles? D'accord.
sort tout ça? Qui a rempli le caddie? Maman, c'est toi? Je suis désolée. Ils ont refusé votre carte. Oh, mais pourquoi? Ginger a tout dépensé. Pardon? Elle ne veut pas qu'on retourne à l'école. Attendez un peu. Oh, c'est pas vrai. Alors vous payez, oui ou non? J'ai pas que ça à faire, moi. Madame? Madame, vous allez bien? Fais attention, Suzy. Tu deviens cinglée. Vous avez 3 heures pour répondre à tous les tests de cet examen. Il y a 5 tests de 35 minutes et 2 de 15 minutes chacun. Compris? Rompez les scellés et ouvrez la brochure. Si vous avez terminé avant le temps imparti, vous pourrez revenir sur les questions du test. Mais il est interdit de passer au test suivant. Est-ce que c'est clair? Allez-y. Je suis en retard. Chérie, j'ai eu une promotion. C'est pas encore ça, mais ça va mettre du beurre dans les épinards. Comme ça, j'aurai plus à me crever sur les docks. C'est super. Et puis comme ça, t'iras à l'école. Non, il n'est pas question que j'y aille. Oh, recommence pas. Non, je te dis. Regarde-moi. Oh, mais c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Oh, Oral 720, maths 710, moyenne générale 1430. Sean ! Sean ! Sean ? Sean ? Sean ? T'as entendu ce que maman vient de dire? Va-t'en! Laisse-moi tranquille! Chérie!
Suzy? Où t'es? Je suis là. Je croyais que t'étais en train de faire ton sac. Ça va? Oui, ça va. La mère commence à grimper au mur. Pourquoi? On est déjà en retard, puis il y a de la circulation. Je pense enseigner à des tout-petits. Je m'entends bien avec les enfants. Ou peut-être l'algèbre. Si tu le dis. Maman, j'ai eu 1410 de moyenne. Je vais entrer à McWhorter. Suzy, tu as à peine terminé ta troisième. Tu es totalement incon... En tout cas, je suis reçue. Qui gardera les filles? Sean. Comment est-ce qu'il fera? Ça ne vous a pas dérangé, papa et toi? Nous avions de l'argent pour pouvoir nous le permettre. Eh oui, Martha. Et pourquoi n'y en a-t-il plus pour moi? Oh, tu m'appelles Martha. Tu t'es blessée à la main? Je vais te dire pourquoi cet argent, je ne l'ai pas eu. Parce que ces patients ont fait bloquer la succession. Qu'est-ce que tu racontes? D'où tu tiens ça? Fais-moi voir ta main. C'est Chester qui me l'a dit. Oh, pourquoi ton oncle t'aurait-il dit une chose pareille? Martin, de quelle couleur est cette poêle? Oh, que vient faire cette poêle là-dedans? Réponds. Elle est noire. Je vérifiais. Au cas où tu l'aurais vue blanche. Suzy. Laisse-moi, salope! Et puis arrête de te cacher! Tu entends? Arrête! Arrête! Suzy! Arrête! Suzy, lâche ça! Suzy, où est-ce que tu vas? Reviens! Oh, Sean, rattrapez-la! Trouillarde! Trouillarde! Sale trouillarde! Que disent ces voix, au juste? Oh, certaines me disent qu'il vaut mieux que je meure, et d'autres veulent que je vive. Et quand ça arrive, c'est quand tu... quand tu es fatiguée? Oui. Elle se fait beaucoup de soucis pour les filles. Ça, je veux bien le croire. Voyons, Chester. Ce qu'il nous faut, c'est un psychiatre. Tu veux dire, pour la famille, une thérapie familiale? Ah oui, vraiment. Je crois que ça s'impose, bien que ce ne soit pas donné, mais ta mère pourra peut-être vous aider. Je vais vous trouver quelqu'un. En attendant, tu vas me prendre ça pour soigner cette dépression, et ceci pour prévenir les crises d'angoisse. Il y a des moments, j'ai l'impression que je suis plusieurs. Oui, je comprends. Parfois ça va, et parfois non. Le couteau et la fourchette à droite,
et la serviette juste à côté. Elle est sale, cette cuillère. Je viens de la laver. Papa, c'est papa, papa. Papa, bonsoir, papa, Marie. Papa, papa. Oh, viens là, toi. Ça va ce soir? Bien, papa. Allez, soyez sage, Marie. La première qui arrive dans le couloir. T'as été chercher tes médicaments? Ils te font de l'effet? Tout baigne. Hein? Je suis un joyeux zombie. Ah. Tu sens bon. Tu sens l'oignon cru. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es folle? Venez-là, vous deux. Allez vous laver les mains. Oui, sale petite cochonne. Mais pourquoi tu leur parles comme ça? Tu veux me dire ce qu'il y a? Débrouille-toi avec elle. Ça sert à rien, poussin. Personne ne peut comprendre. Je crois que j'ai fait peur. Ça s'était déjà produit? Oui, mais jusque-là, j'étais toujours arrivé à la calmer. Suzy? Suzy, c'est moi, Chester. Qu'est-ce que tu tapes? Ma demande d'inscription. Hein? Je vais m'inscrire à l'école McWhirter. Suzy ne te l'a pas dit? Non. Suzy ne me l'a pas dit. Non, c'est certainement parce qu'elle n'est pas au courant. Qu'est-ce qui lui prend? Toi, tu le sais, n'est-ce pas, Chester? Non, vraiment. Je t'avouerai que non. Alors, s'il te plaît, trouve quelqu'un qui puisse nous aider. Nous venons voir le docteur Mullens. Oui, monsieur. Je me trouve dans une pièce et je me demande... est-ce que je peux bien y faire? Pourquoi est-ce que je me trouve là? Avez-vous tendance à boire ces temps-ci? Non. Le goût de l'alcool me fait vraiment horreur. Alors à quoi attribuez-vous ces absences? Eh bien, je ne prends pas de drogue. Alors, c'est peut-être parce qu'en ce moment, je suis assez stressée. Rien d'anormal sur votre scanner. Et c'est quand vous êtes stressée que vous parlez toute seule? Oh, jamais à voix haute. Comment le savez-vous, puisque vous perdez conscience? Oh, c'est dur à dire. Qu'en pensent les autres médecins? Les autres... Combien en avez-vous déjà consulté? Deux, trois, quatre... Vous ne vous rappelez plus? C'est pour ça que je suis venue vous voir, car votre spécialité, c'est l'amnésie. Oui, si on veut, si on veut. En fait, ma spécialité, ce sont les troubles dissociatifs, et les pertes de mémoire font partie des symptômes. Dissociatifs? Ne vous inquiétez pas, c'est juste une dénomination. Mais il y a plus important. Depuis combien de temps souffrez-vous de ces pertes de mémoire? C'est pas grave. Pouvez-vous me dire à quand remonte votre premier souvenir? Oh non. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Mes enfants. À 4h30, il faut que je passe les prendre chez ma mère, c'est elle qui les garde. Madame Mitchell, vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit au téléphone? À propos de maman? C'est ça que vous voulez, que je vous parle de maman? Si vous avez envie d'en parler, allez-y. Parce que je ne sais pas si je pourrais continuer. On n'a pas vraiment les moyens. Je sais que ça coûte cher et je suis un vrai panier percé. C'est sûrement mon plus gros problème, d'ailleurs. En plus des voix.
Ce ne sont pas des voix, je ne fais que me parler toute seule. Des tas de gens en font autant. Très bien. Je vois. Si nous reparlions un peu de l'argent, qui le dépense? On n'a pas tellement d'argent. On n'a pas de quoi payer. Faut vous faire une raison. Qui ça, on? Moi et Sean, de qui voulez-vous que je parle? Je vous prie de m'excuser, il faut que j'y aille. Madame Mitchell. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Je me rappelle le jour où j'ai accouché de Molly. Elle a 9 ans, voilà. Mes souvenirs ne remontent pas plus loin. Je suis désolée, tout cela doit vous paraître sans doute étrange. Oh non, ça n'a rien d'étrange, croyez-moi. Vous ne voulez pas vous asseoir pour qu'on travaille là-dessus? Non, je dois partir, désolée. Vous êtes très gentil. Merci. En plus de ça, ce n'est même pas un vrai médecin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il pense que je suis folle. Il essaie de m'inculquer des idées bizarres. Tu crois pas que t'as un peu tendance à exagérer? Tu vois, tu penses comme lui. Oh, s'il te plaît. J'en peux plus à force d'aller voir tous ces médecins. Ça m'a beaucoup aidée, je t'assure. Seulement, j'aimerais reprendre une vie normale. Pourquoi tu me regardes comme ça? Suzy s'occupe bien des filles, des petites filles extra. Toutes les deux, elle l'adore. C'est une mère réellement exemplaire. Allez-y. Mais des fois, elle... Disons qu'elle a ses périodes. Je sais, tu t'en rends pas compte. Quel genre de période? Bien, il y a la période petite fille. Là, elle me connaît plus. Et des fois, quand j'ai envie... Je veux dire, quand j'essaie de la toucher, elle agit comme un garçon manqué. Mais tu mens! C'est pas vrai! Comment tu décrirais ça? T'es impossible, tu me traites comme de... Je comprends. Non, mais c'est la vérité. Tu veux bien me taire. Parlez-moi un peu de votre première rencontre. Suzy était... Enfin, elle travaillait dans un bar. Comme danseuse. Oh, rien de très... De très polisson. Elle portait juste un bikini. C'est difficile à croire quand on la voit, aussi timide. Et quand les choses ont-elles commencé à changer? Quand Molly est arrivée, c'est notre aînée. C'est à partir de là qu'elle a complètement changé. C'est vrai, Suzy? Non. Pour moi, c'était toujours pareil. Mais c'est pas vrai. C'est comme si c'était plus toi. On faisait même plus l'amour. Vous vous rappelez, Suzy? Non. Elle ment. Pourquoi tu mens? Il essaie de nous aider. Vous ne vous rappelez pas? Non. Tu veux bien arrêter de mentir? Toi, je t'ai pas sonné. Et vous non plus. Salut, ça va bien? À votre avis, j'ai l'air d'aller bien? J'en sais rien. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de vous deux. Oui, ça se conçoit. Oh, quand est-ce que vous allez me lâcher la grappe? Je t'avais dit qu'il était pas clair, ce mec. Oui, sans doute. Mais au moins, maintenant, tu es franche. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'avez-vous envie de me dire? Et c'est reparti avec vos questions complètement nulles. Bon, d'accord, d'accord. Vous avez dépensé l'argent de Suzy? Non, ça c'est Ginger, c'est pas moi. Ginger? Qui est Ginger? Merde, c'est pas vrai ça! Pourquoi? Je suis vraiment trop bête. J'en ai marre. Ça lui arrive quelquefois. Suzy. Suzy, chérie. Suzy. Vous avez entendu ce qui s'est passé? Sean.
Les choses n'ont pas été faciles ces derniers temps, mais votre maman traverse une mauvaise passe et ça me met parfois en colère. Comme par exemple quand elle oublie d'aller vous chercher à l'école. Mais ça fait rien. Non, ça fait pas rien. Bon, ça peut aller très mal. Maman et moi, on essaie de s'en sortir. Quelquefois, votre maman, c'est votre maman, et quelquefois, c'est quelqu'un d'autre. Et depuis que papy est mort, les choses ont empiré. On sait, papa. Oui, mais tu vois, c'est pas si simple. C'est pas comme si votre maman passait du rire aux larmes. Non, c'est plus compliqué que ça. Papa, on sait. Vous savez quoi? Est-ce qu'on pourra encore jouer avec Bonnie? Qui est Bonnie? Celle qui aime bien jouer. Pourquoi Bonnie est-elle recroquevillée dans un coin? Elle a peur. Pourquoi? Parce que va falloir qu'elle s'en aille. Elle ne reviendra pas? Non, jamais. Pourquoi? Parce que tout le monde se dispute à cause de l'argent. Et pourquoi l'argent est-il un sujet de dispute? Parce que vous nous coûtez la peau des fesses, imbécile. Ah, rebonjour. Ben, il faut bien que je gagne ma vie, moi aussi. Mais Sean n'a-t-il pas mentionné le fait que votre mère vous aidait sur le plan financier? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas comptable. Alors, qui tient les comptes? C'est qui la matheuse? Celle qui a obtenu 650 points de moyenne? Quant à l'argent, pour votre information, sachez qu'il est sous séquestre pour cause de procès. Et il se trouve que je suis en train de mener une enquête sur cette affaire. Je vois. Oh, au fait, moi je m'appelle Eric. Vous, c'est quoi? Moi. Ravi de vous connaître, moi. Vous savez, je pense que vous pourriez nous être très utile. Ce qui serait gratifiant pour vous, docteur Scanlon. Une victoire pour le prince Scanlon, une défaite pour la douce et sereine, merveilleuse reine. Je m'appelle Victoria. À quoi nous mènent au juste tous ces galimatias? Nous avons entrepris quelque chose d'extrêmement difficile. Le but du jeu, c'est de travailler séparément avec chacune d'entre vous pour obtenir que finalement, elle ne fasse plus qu'une. Vous voulez soutirer de l'argent à notre mère? Mais je vous préviens, Ginger ne vous laissera jamais faire. Pourquoi? Parce qu'elle est très pointilleuse là-dessus. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite? Oh, voyons, Eric. Ne jouez pas au plus fin avec nous. Je suis certaine que nous avons lu les mêmes livres. Dans les cas recensés de personnalités multiples, le sujet a très souvent subi dans son enfance une expérience traumatisante d'abus sexuels répétés. C'est excellent. Diriez-vous que votre mère vous a violée? C'est vous qui le dites. Vous ne vous rappelez pas. Dites-moi, Ginger, est-ce qu'elle se rappelle? Eh bien, Ginger ne vous dira rien. Pourquoi? Cherchez l'enfant, mon cher. Et Bonnie? Bonnie, tu as envie de revenir jouer? Évidemment, on peut toujours oublier de payer vos honoraires. C'est une solution comme une autre. Bonnie. Rebonjour. C'est moi, Eric. Bonnie, qu'est-ce que tu vois? Qui je suis? Suzy? Il faut que je parle à Suzy maintenant.
Suzy? Pourquoi est-ce que je suis là? Mais c'est très simple. Parce qu'entre la thérapie et les enfants, tu ne peux pas être partout à la fois. Est-ce que ça va? Oui. Écoute, tu devrais aller te coucher. Je vais préparer le dîner pour Sean et les filles. À propos, j'ai envoyé un chèque à ton psy directement. Tu es sûre que ça ne t'ennuie pas? Oh, depuis que ton père est mort, je me sens enfin utile. Au fait, comment est-ce que ça marche? Oh, j'en sais rien. Ça avance tout doucement. Du moment que ça ne te sert pas de prétexte. Merci, maman. Sale menteuse! Tu crois que tu peux me cacher ça? Ok, maman. Ah, dans le bureau de papa. Très malin. Oh. Elle ne les amène pas ouvertes. T'apprendras, Nathalie Adams. Chérie, tu réponds? Ginger? Ça fait un moment que je te cours après. J'en peux plus de cette tôle. Tant mieux. Ça te dirait une petite balade à San Diego, comme l'autre fois? Pour Trevor? Mmh. Combien? Combien il te faudrait? De quoi me tirer à Hawaï. J'ai besoin d'air. Je deviens folle. Ouais, t'as pas vraiment la tronche d'une ménagère de banlieue. Ça veut dire que je vais perdre ma préférée? Tu me brises le cœur. Dis donc, j'espère que cette fois, tu vas pas me planter. Non, promis. Il faut que ça marche ou je suis morte. Bonjour, vous désirez? Est-ce que je peux voir celle-là? Oui, bien sûr.
Oh, ça c'est une belle arme. Celle-là? Oui, celle-là. Voilà. Merci, monsieur. On va bien voir. Eh, viens un peu là, toi. T'es là pour affaire, ma jolie? Bien sûr. Tu sais que tu me plais. Danser. Et tu veux pas un sandwich? Eh, vous pas me lâcher. Salut, étrangère. Salut. Tu bosses ce soir? Ah, non, pas vraiment. Je cherche Trevor. Comme d'habitude. Je sais pas de quoi il a l'air. Je le connais pas. Comment vont tes gosses? Ça va. Et là où tu vas bien? Il est mort. Oh, ça c'est moche. Désolée. Ça n'a pas dû être facile pour les gosses. Oh. J'ai cru que tu parlais de mon père. Non, non, non. Mon mec, lui, il est... Il est toujours en vie. Il garde les enfants. Tu veux pas me le prêter? Hé, hey, ma jolie. Tu veux qu'on aille faire un tour? Elle est avec moi. Oh! D'accord. Je vois. Tant mieux. Maintenant, dégage. Trouve-toi une autre fille. Bon. C'est l'heure de mon numéro. Après, tu veux qu'on aille manger un morceau? Oh, oui. Je veux bien. Non, j'aurai pas le temps. Au revoir. Hé, ma jolie. Est-ce que je peux regarder? Regarder quoi? Ta copine et toi? Hey, Ginger. Bonsoir, monsieur Trevor. Oh, t'as fumé, toi? J'ai du fric. Excuse-moi, vieux. Allez, debout, viens. Tu l'as? Quoi donc? Ma marchandise. Ah, elle est en sécurité. Hé, hey, où tu vas là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? T'as pas compris? Elle a pas envie de te parler. Toi, fiche-lui la paix, d'accord? Non, toi, tu lui fiches la paix. Mais vous allez pas vous battre, enfin! Non, arrêtez! Mais faites pas ça! Mais faites pas ça! Allez, viens. Oh! Hé, doucement! Oh! À quoi tu joues? Je veux mon fric. Bon, écoute. Tu vas me donner ce que t'as amené. Ginger, t'as assez déconné comme ça. Tire-toi de là! Hé! Hey, reviens! M'emmerde pas ou ça va être ta fête! Mais... Je t'aime, moi! Oh.
DJ. Où est Suzy? Je veux parler à Suzy. Elle n'a pas le temps pour l'instant. Allô? Sean, je pense qu'on devrait appeler la police. C'est pas Sean, c'est DJ. Oh, je me suis trompée de numéro, excusez-moi. Où est-ce que t'étais passée? J'ai dû mentir à ta mère et aux filles. Ouais, bon, eh ben, m'oblige pas à en faire autant. Je veux voir la femme que j'ai épousée. Elle est pas là! Cette conne a failli nous faire tuer. Suzy, qu'est-ce que tout ça veut dire? T'es sourd ou quoi? Suzy! Suzy! Allô? Oh, y'a quelqu'un? Qui c'est qui m'appelle? C'est de la part de Ginger. Ça a foiré, tout est à l'eau. Qui t'es, toi? Une amie de Ginger. Elle veut plus de toi. Écoute-moi, l'amie de Ginger. Dis-lui que si elle veut pas que je lui pète sa gueule, faudrait mieux qu'elle me rende ce qui m'appartient. Figé? Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Suzy. Allô? Suzy! Putain, qui c'est ça, Suzy? Suzy! Martha? Oui, il y a un problème. Vous voulez bien garder les filles? Asseyez-vous. D'accord. On se connaît pas. Je m'appelle Ginger. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, à part qu'on vient de rentrer de San Diego. Et pourquoi ce voyage? L'argent. C'est-à-dire? Fallait que j'en gagne. De quelle façon? À vous de deviner. Avec une arme. Avec ça. Ah, je vois. Et depuis quand faites-vous ça? Depuis toujours. Ne le dites pas à Suzy. Tout ce que cette gourde sait faire, c'est la lessive. Elle n'existait même pas avant d'avoir ses gosses. C'est nous qui l'avons créée, et pas le contraire, compris? Compris. Demandez-lui ce qu'elle se rappelle avant ses gosses. Mais je sais ce qu'elle se rappelle. Il faut que ça reste comme ça. Hein? Vous savez, je pense que vous seriez très étonné de savoir tout ce que Suzy a appris sur elle-même. Cette poule mouillée. Elle refuse la vérité. Et c'est tant mieux, parce que sinon on ne serait pas ici. C'est quoi ces brûlures sur votre bras? J'en sais rien. Dites-moi qui le sait. N'approchez pas. Vous croyez connaître notre histoire? Qu'on nous a violés? Eh bien, vous vous trompez! J'ai toujours maîtrisé la situation. Suzy, toujours. Toi, reste où tu es! Non, Sean, s'il vous plaît. Bouge pas! Bouge pas! Je suis là. Va-t'en! Je suis là, chérie. Je suis là. Tout va bien. Tout va bien. Chut, chut, chut. C'est fini. Non, je veux pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini.
Suzy. Ça va? Qu'est-ce que je fais là? T'as eu une crise. Génial. Tu te rappelles pas? Tu es parti en voiture et puis tu as jeté un paquet à un type. Puis tu étais jusque chez Eric, une arme à la main. Je me rappelle plus. Nom de Dieu, mais de quoi tu vas te rappeler? Tu fréquentes des voyous, tu te balades avec une arme, tu mènes carrément une double vie. Excuse-moi. Excuse-moi, moi non plus, je sais plus où j'en suis. Comment vont les filles? Ça va. Elles m'ont demandé de te donner ça. Vous avez l'air en meilleure forme. C'est parce que j'ai dormi. J'ai pas l'habitude avec le boulot que je fais. Qu'est-ce que vous faites au juste comme travail? Comme travail? Oh, voyons, Eric, vous le savez parfaitement. Je suis une prostituée, une traînée, une morue, un tapin, une roulure, une pute. Une gagneuse, une fille de joie. Ginger? Vous, la baise, ça vous met dans quel état? Hein? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous la met au garde à vous? Hein, mon grand? Qu'est-ce qui te fait bander? Suzy! Vous avez entendu ce que vous venez de dire? Non. Suzy, qu'est-ce que vous avez entendu? J'en sais rien. Vous pensez que Ginger a menti? Oui. Non, j'en sais rien. Je sais pas quoi faire. C'est très important, Suzy. Vous avez entendu quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu. Jeanne le sait. Plus ou moins. Il n'arrête pas de me questionner sur l'arme et sur... sur l'homme à qui vous avez jeté un paquet. Ne lui dites pas. Il ne faut surtout pas qu'il sache. C'est ma vie. Ma vie. Il partira avec mes filles. Il me tuera. Ça fait plaisir de te revoir. Est-ce qu'on pourra avoir des céréales au petit déjeuner? Grand-mère m'a acheté une nouvelle robe. Moi aussi, j'ai une nouvelle robe. Oh. J'ai fait un dessin pour toi. Il est vraiment très joli ton dessin, chérie. Ah, c'est bon de te revoir. Je l'ai en pleine forme. T'es déjà revenue. Je ne sais comment te remercier. C'est tout naturel, chérie. Il est très beau. S'il te plaît, on va jouer avec Bonnie. Mais ça sent pas très bien, vous savez. Dis oui, maman, s'il te plaît, dis oui. On va jouer avec Bonnie. Allez, Suzy, vas-y. Pourquoi? Ça sert à rien. La vérité te fait peur, c'est ça? Voyons où tu l'as mis. Thank you.
tenté de le brûler et toi, tu l'as récupéré. Plaignante. Nathalie Adams, sale menteuse. Nathalie Adams. Eh bien, Suzy, qu'est-ce que t'attends? Oui. Vous désirez? Vous êtes Nathalie Adams? Oui. Je suis Suzy Tremaine, la fille de... Non, je vous en prie. Écoutez, je n'ai pas le droit de vous parler tant que l'affaire ne sera pas jugée. Ne me renvoyez pas. Il faut que je parle à quelqu'un. Je ne resterai pas longtemps, je vous jure. Je veux seulement vous parler. L'argent, c'est sans importance. Je n'aurais pas dû venir. Oh, ça, je ne vous le fais pas dire. Désolée. Moi, je m'en doute. Vous voulez du thé? Non, merci. De quoi voulez-vous que je vous parle? De la fois où je me suis réveillée dans son cabinet sans culotte? Ou bien de celle où il s'est jeté sur moi alors qu'il m'examinait? Ou des cauchemars? Ça peut peut-être vous intéresser, ça. Ou bien des piqûres qu'il m'a faites et qu'il m'a fait revenir chez lui sans arrêt? Et j'ai obéi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je n'étais qu'une petite fille. Il disait que si je ne voulais pas, ses amis me retrouveraient n'importe où. Il disait qu'il avait des yeux derrière la tête. Oh, merci. Merci beaucoup. Et il y en a eu d'autres. Oh, maintenant, il faut que j'y aille. Je n'étais pas la seule. Au revoir. Vous voulez leur adresse? Non, je vous remercie. J'ai leur adresse, vous savez. Au revoir. Je peux vous les donner? Non, merci. Tu n'as pas fini ton assiette. Tu n'as pas mangé les yeux. À partir de maintenant, ils seront toujours là pour te surveiller. Maman, Suzy! Maman! Suzy! Suzy! Suzy, c'est moi. Non! C'est moi, chérie. Non, tout non! Va bien. Il peut me voir! Non! Non! Bonnie, c'est Suzy que j'aimerais voir. Suzy? Oui. C'est toi? Je veux pas. S'il te plaît. C'est toi, Suzy? Suzy. Possible. Suzy, non, s'il te plaît. Non. Suzy. Suzy, non. Tu n'attendais que ça, hein? Quoi? T'es exactement comme les autres. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu me payes pas comme les autres? Au moins, ce serait plus honnête. Qui es-tu? Arrête de me prendre pour une bille. Quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va y foutre dans tous ces bars? D'où est-ce qu'il vient, tout ce fric, à ton avis? Tu mens. Et tous ces trucs que tu trouves excitants, où tu crois qu'elle les a appris? Je veux parler à Suzy. Tu te l'es pas demandé? Je veux parler à Suzy, t'entends? Et elle sait encore faire un tas d'autres choses. Ne touche pas! C'est une vraie trop! Ne touche pas! Fiche-moi la paix! Fiche-moi la paix! Cette fois, ça suffit, Sean, j'en ai marre! Sean! Non! Laisse-moi! C'est au-dessus de mes forces! J'en peux plus! Sean, s'il te plaît, non! Sean, s'il te plaît, pense aux enfants! Pense aux enfants! S'il te plaît! Je me rendais pas compte. Molly! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a? On s'en va, allez, venez. Sean, non! Je vous expliquerai. Non, Sean! Où sois? Pas ça, non, je t'en prie! On s'en va! Non, Sean, reviens, s'il te plaît! Sean, tu me rends... Je
vous emmènerons d'ici. S'il te plaît, arrête. Tu leur fais peur. Je t'en prie, reviens. Je voulais pas dire ça. Asseyez-vous là. Je t'ai menti. Allons, donnez-moi la main. Je t'ai dit de nous foutre la paix. Vous deux, poussez-vous. Rosie. Mais va-t'en. Non, je ne t'en veux pas. Me laisse pas là comme ça toute seule. Laisse-moi, mes petites filles. Merci, papa. Où est-ce qu'on va? Où tu veux, mon poussin. On va à la plage. J'ai jamais beaucoup aimé la mer, tu sais. Tu te souviens de ce grand jardin où je t'emmenais un dimanche? J'aimais bien ce jardin. J'aimais bien quand tu me poussais sur la balançoire. Ça te plaisait? Je voulais toujours que tu me pousses plus haut. J'adorais la sensation que ça me procurait. C'était bien, hein, papa? Oui, j'étais sûre que j'allais m'envoler. Et une fois là-haut, j'espérais que je ne redescendrais jamais. Tu as toujours eu une imagination fertile. Tu as inventé des tas d'histoires. Quelqu'un a voulu nous faire brûler vive. Suzy? Où es-tu? Où je suis, mais j'en sais rien. Où est-ce que je suis? Les poumons desséchés et elle a inhalé beaucoup de fumée. On a dû lui faire un lavage d'estomac. Où est-elle? Pour l'instant, elle doit se reposer. C'est ma fille, tout de même. Il faut que je la voie. Je suis sûre qu'elle a tenté de se suicider. Allez, les filles, on rentre. T'as pu choisir la main? Non, pas encore. Docteur Scanlon? Oui, c'est Sean Mitchell. Est-ce que vous avez des nouvelles de Suzy? Je ne sais pas où elle est, sa mère n'est pas chez elle. Je pense que je lui ai fait peur, on s'est disputé. Je l'ai laissée toute seule à la maison. Est-ce que vous pouvez me rappeler dès que vous aurez pris connaissance de ce message? Merci. Monique. Rosie. Suzy.
cochon. Il va bien. Les filles aussi. Ils vont bien, chérie. Oui. Elle va mieux. Suzy? Suzy? Suzy! Ça y est, tu as la permission de rentrer chez toi. Où est Sean? Il a appelé? Non, non, pas encore. On te laisse t'habiller. Tu as prévenu Eric? Il faut que je parle à Eric. Oui, Sean. En attendant, tu vas rentrer à la maison. Il ne veut plus de moi, c'est ça? Mais non. Où as-tu été pêcher ça? Ça me fait de la peine que tu penses une chose pareille. Allez, habille-toi vite. Pourquoi? Parce que, ma chérie, c'est terrible ce qui s'est passé hier soir. Je ne comprends pas ce qui t'a poussé à faire ça. J'ai été horrible. J'ai dit des choses horribles à Sean, je suis mauvaise. Chérie, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et en plus, il n'y a pas que moi. De quoi est-ce que tu parles? De DJ, de Ginger, d'autres dont j'ignore le nom. Oh, je les entends qui reviennent. Je les entends qui reviennent. Oh. Je sais pas quoi faire. Oui, j'ai appelé Martha. J'ai laissé des messages à son oncle. Oui. Bien sûr. Oui, je vous rappelle. Merci, docteur. Papa, maman est morte. Oh non, ma puce. Oh, non. Va t'allonger un peu, je vais te faire du thé. Oh non. Rassurez-vous, elle va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Chez sa mère. Elle se repose. Elle a mis le feu à la voiture. Mais elle va très bien, je vous assure. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de danger. Oh mon Dieu. Molly! Rosie! Non, attendez. Pourquoi? Il faut que je la voie. Non, pas encore. Pourquoi? C'est elle qui veut plus me voir? Si, bien sûr qu'elle veut vous voir, mais pour l'instant, elle est encore sous le choc. Et je sais, oui. Je me suis emporté. J'avais peur pour les filles, alors je... J'aurais jamais dû la laisser seule. Tout est ma faute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais si, c'est ma faute. C'est ce psy qui vous a dit ça? Non! Il faut que je l'appelle. Non, s'il vous plaît, je ne crois pas qu'elle ait très envie de le voir. Mais... Elle a changé d'avis à son sujet. Et nous aussi. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé hier soir. Mais Eric n'y est pour rien, c'est ma faute. J'ai perdu les pédales. Et pourquoi vous êtes-vous fâché? Elle m'a dit des choses. C'était bien elle? Ou plutôt, une de ses personnalités, disons DJ, ou Ginger, ou Victoria, ou Bonnie, et qui vous dit que c'était la vérité? Vous en doutez? Je ne sais pas quoi dire. Je sais, mais Molly et Rosie, il faut qu'elle la voie. Mais elle aussi voudrait bien les voir, vous savez, Sean, mais... Pour l'instant, ça l'embêterait que les enfants puissent la voir dans cet état. Tu te rappelles le premier gâteau que je t'ai fait? Tu t'en étais mis plein ta robe. Tu veux une petite part ou une grosse? Une grosse. Il faut que je sorte une seconde. Attends-moi ici.
D'accord. Oui, ça va comme tu veux? C'est super, Jim. Faites comme chez vous, messieurs. Faites comme chez vous. Tout le monde est servi? Où tu es, chérie? Suzy, viens voir papa. Hey, montre-toi, chérie. Tu n'as pas envie de jouer? Suzy, réponds. Mes amis aimeraient te voir danser. Mais viens. Allez, viens. Mais elle adore se cacher. Suzy, viens. Suzy, où te caches-tu? Non, Sean, il vaut mieux pas. On lui cherche un autre médecin. Laissez-lui seulement un peu le temps de se reprendre. Maman? Rosie, chérie, non, reviens! Maman! 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 Enfin, Martha, laissez-la faire. Martha, c'est sa mère. Maman? Maman? Chérie. Non, non, maman, non! Maman! Suzy! Maman! Viens là, chérie! Maman! Ah oh, tu sales pas de ma fille! Maman. Je t'interdis de la toucher! Maman! Maman! Suzy! 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 Chérie! Qu'est-ce que je vous disais? Non, chérie! Je vous en prie. Chérie! Sean, arrêtez! Chérie, j'appelle le docteur Scanlon, d'accord? Non, d'accord. Sean, s'il vous plaît. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je l'appelle. Sean, vous êtes chez moi ici. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous voulez lui faire oublier? Je n'ai strictement rien à cacher, c'est ma fille, enfin, voyons. Je veux la protéger, j'essaie. Allô, le docteur Scanlon, s'il vous plaît. Vous avez pensé aux enfants? Vous croyez que c'est bien pour elle de voir leur mère? Ce qui serait pire pour elle, c'est que Suzy devienne folle, non? Non, ce qui serait pire pour elle, c'est qu'elle se suicide. Je ne te ferai aucun mal. Je sais. Bien. Très bien. Je savais que tu dirais ça. Ah oui? Pourquoi? Le concours. T'as battu tes copains. Va falloir que j'y passe. Suzy. Mais j'aimerais mieux mourir. C'est ce que tu veux. Pourquoi je voudrais ça? Parce que... Tu me prends pour ton père, c'est ça? Tu confonds? Il est mort. Il peut plus te faire de mal. Je peux parler à Suzy maintenant? Oui. Tu mens en disant ça. C'est un autre toi, un toi plus profond. Suzy? Victoria? Bonnie? Est-ce que l'une d'entre vous m'entend? Si oui, écoutez. En ce moment, je m'adresse à quelqu'un qui veut votre mort. Elle pense que tout est votre faute. Elle pense que vous méritez de mourir, que ça résoudrait tout. Mais elles sont déjà mortes. Vous savez pourquoi elles le pensent? Parce que comme ça, tout finirait par avoir un sens. Je suis mauvaise parce qu'on m'a fait très mal. C'est ce que tu penses. Mais tu n'es pas mauvaise. On t'a fait du mal. Quand tu étais petite, tu étais sans défense. Seulement, sans défense. Je veux parler à Suzy. Suzy. Suzy, vous m'entendez? Est-ce que...
J'ai des... des hallucinations. Non. Donnez-moi ça. Tu es vraiment là? Oui. Après tout ce que je t'ai fait, commencer. Maman? Maman? Oui, Rosie.